Bon. Eh bien, nous allons commencer notre table ronde sur l'histoire. Et évidemment, je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de ce magnifique forum qui s'est parfaitement déroulé hier et qui était vraiment intéressant, vraiment. Mais c'est vrai que l'histoire nous a manqué. On y a fait allusion quelquefois et nous avions besoin un petit peu d'une perspective historique de temps en temps et j'espère que ce matin nous allons satisfaire la curiosité historienne des spectateurs, enfin des participants à notre table ronde. Et je voudrais d'abord commencer par vous présenter notre équipe. Donc, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, je ne pensais pas faire cette réflexion, mais finalement, autant la faire, il y a une parité absolue entre nous. Alors, on a mis les garçons d'un côté, les femmes de l'autre, mais nous communiquons malgré tout. Alors, je voudrais vous présenter Madeleine Ferrière, qui est professeure d'histoire moderne honoraire rattachée au centre d'études Thélème à Aix-en-Provence et qui est spécialiste des sensibilités alimentaires. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont deux ouvrages bien connus et importants. Le premier, c'est « Histoire des peurs alimentaires ». Et c'est vrai que quand son livre est paru, c'était à peu près au moment de la vache folle. Oui, exactement. Et donc, il a eu vraiment un certain retentissement mérité. Et ensuite, elle a publié aussi « Les nourritures canailles ». Le titre aussi est très... donne envie de lire l'ouvrage. Donc, ensuite, nous avons Pascal Horry de l'Académie française, puisque normalement... Les membres de l'Académie française, il faut toujours faire, après leur nom, dire de l'Académie française. Virgule de l'Académie française. Voilà, virgule. J'avais oublié la virgule, mais j'avais laissé quand même un petit espace. Donc, nous avons Pascal Horry de l'Académie française, mais qui a été, et qui est d'ailleurs, professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, Paris 1. Et qui a été aussi ancien président du conseil scientifique de l'IEHCA, ce que je suis encore jusqu'en la fin de l'année, cette année-ci. Alors là, j'ai vraiment eu un problème pour parler de tes publications, parce qu'il y en a une telle liste que je renvoie tout le monde à ta fiche Wikipédia, c'est ce qui est le plus simple, mais quand même... Pour notre propos, je dirais que tu as publié, c'était à l'époque un livre, une synthèse sur le discours gastronomique français des origines à nos jours, qui était très intéressant parce que tu faisais ce lien entre la gastronomie et le discours. Et pour toi, on ne peut pas parler de gastronomie sans évoquer le discours gastronomique, justement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le mot gastronomie a pris une autre dimension, une autre acception beaucoup plus large. Mais de mon point de vue, moi, je pensais que tu avais tout à fait raison. Mais enfin, l'acception des mots évolue, donc il faut suivre les évolutions. Et puis, tu as aussi publié « L'identité passe à table ». Là aussi, là, on est dans l'actualité tout à fait, puisque... le lien entre identité et manière de table ou façon de faire la cuisine est à l'heure actuelle dans le débat de notre actualité. Et enfin, Florent Quellier, qui est, lui, professeur en histoire moderne à l'Université d'Angers, pas loin d'ici, et qui avait publié, il s'était fait remarquer par un livre très intéressant et très, là aussi, qui donnait envie de lire, « La gourmandise, histoire d'un péché capital ». Mais il en a écrit d'autres,
Et son dernier ouvrage, c'est « L'histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours », qui est paru en 2021, donc c'est vraiment tout frais, il sort du four presque. Mais celui que tu as publié en italien est encore plus frais, puisqu'il est paru en 2022, et c'est « La civiltà del cibo », donc « Storia culturale dell'alimentazione in età moderna », et ça, ça se comprend tout seul, puisque, je ne sais pas, mais c'est peut-être la traduction du français. Non, c'est même pas la traduction du français, bravo, bravo. Donc voilà, alors pour ce qui me concerne, je vais quand même me présenter un tout petit peu. Bah, moi aussi, je travaille sur les questions alimentaires depuis très longtemps, et surtout, alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là? Plutôt sur le monde chinois, mais quand même dans une perspective comparative avec l'Europe et notamment la France et l'Italie. Et justement, pour commencer, je voulais, à titre au fond un petit peu de plaisanterie, vous présenter un cuisinier italien du milieu du XVIe siècle, Mrs. Bugo, qui a écrit un ouvrage, donc je traduis, livre nouveau, dans lequel s'enseignent les manières de faire toutes sortes de, comment dire, de mets, on va dire, vivants d'Adlo. Et alors il fait une remarque très intéressante pour expliquer ce qu'il a l'intention de faire dans son livre. Il dit, il faut savoir que moi, je ne perdrai pas mon temps et je ne vais pas me fatiguer à décrire toutes ces soupes de légumes ou de légumineuses, je ne vais pas vous enseigner à faire frire une tanche ou à cuire sur le grill un bar ou toutes ces choses de ce genre que n'importe quelle bonne femme de bas étage, carrément, féminucha, c'est parfaitement faire. Mais moi, je ne vous parlerai que de mets les plus nobles possibles. Or, là, on voit tout de suite où Mrs. Bugo se place. Hein. Je veux dire que les femmes restent là où elles sont. On reconnaît qu'elles savent faire des choses, mais enfin, ça n'a pas grande valeur. C'est vraiment le quotidien. Et puis, en écho, je voudrais citer aussi Châtillon-Plessis, qui a écrit « La vie à table » à la fin du XIXe siècle. Et lui, il est tout à fait dans la même inspiration que Mrs. Bugo, même si c'est trois siècles plus tard. Et il dit « Il est certain que jamais la cuisinière ne pourra donner à une table importante les attraits de fond et de forme que le cuisinier peut y apporter. La profession a des travaux fatigants que l'homme seul peut affronter et des éléments d'ingéniosité que la femme ne saurait mettre en œuvre. Ceci dit, rien ne doit empêcher de rendre hommage aux modernes sophies qui ont le respect de leur sacerdoce et luttent avec succès pour le triomphe de l'art. Ces George Sand de la cuisine ne sont guère plus nombreuses que les George Sand de la littérature, mais elles n'en ont pas moins droit à l'estime de tout appréciateur. » Bon, il est presque inutile de commenter ces deux textes, mais je voulais juste faire une petite réflexion. C'est qu'au fond, ces deux auteurs reconnaissent tout à fait les compétences des cuisinières, des femmes en cuisine. Mais ils estiment qu'elles doivent rester à leur place, c'est-à-dire dans l'espace domestique et faire la cuisine pour ce à quoi elles sont destinées, c'est-à-dire leur famille. Ben voilà, je conclue comme ça et je demande à Madeleine de continuer, Madeleine Ferrière, de continuer dans son propre domaine. Mon propre domaine, qui est l'histoire moderne. Merci Françoise de me donner la parole et merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Effectivement, les choses sont très très complexes. Et en attendant ce que tu disais
de Messi Bourgo, c'est ça? Voilà. Eh bien, j'ai moi une autre citation d'un cuisinier, fin du XVIe, bon, 50 ans après, Lancelot du Castot. C'est un cuisinier picard, lui, qui travaille au service de l'évêque de Liège. Et dans son prologue, tu vas voir ce qu'il dit, c'est pas tout à fait la même chose. Comme plus d'une dame se met volontiers à la cuisine et que l'on en trouve travaillant en cuisine mieux que bien des cuisiniers, et de plus d'une façon et manière, afin de plaire à ces dames, on trouvera ici une sorte d'initiation pour savoir comment elles doivent ordonner leurs affaires, savoir ce qu'il faut pour faire un service et ce qui est un service. Donc là, tu vois, l'éloge, ça va très loin. Il a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit aux dames en matière de cuisine. Il va juste leur enseigner le service sur les grandes tables. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça, mais enfin, je pense qu'on en discutera entre nous. Ceci dit, on est invité, je crois c'est le titre de cette table ronde, à dépasser les stéréotypes. Je ne sais pas si par mon regard d'historienne, j'arriverai à le dépasser, mais en tout cas, je peux commencer par en faire le simple constat. Bien entendu, le stéréotype existe, et on le trouve tout à fait bien exposé et développé dans un livre qui est un livre phare de l'époque moderne. Beaucoup de gens l'ont lu à l'époque moderne et pas simplement les gentilshommes campagnards auxquels il était primitivement destiné. Ce livre, il est paru en 1600. Son auteur, c'est Olivier de Serres, le compagnon d'Henri IV. Et il s'appelle le Théâtre d'agriculture. Mais c'est plutôt le sous-titre qui est intéressant, le ménage des champs. Et quand il évoque le ménage des champs, Olivier de Serres délimite parfaitement la division du travail entre l'homme et la femme. Tout ce qui revient au bon ménager et de l'autre côté, tout ce qui revient à la bonne ménagère. Simplement, le partage ne se fait pas sur un pied d'égalité. Les mots même sont assez suggestifs. Qu'est-ce qu'un bon ménager au sens où on le comprenait en 1600? Je crois que c'est la langue anglaise qui a le mieux conservé ce sens primitif. Le ménager, c'est celui qui sait ménager, gérer son domaine, manager, on dirait aujourd'hui en anglais, donc un manager. La ménagère, ça tire pas vers le DRH, vers le haut, hein. Ça tire plutôt vers, enfin tout le monde sait ce que c'est qu'une ménagère, hein. 12 couteaux, 12 fourchettes, 12 cuillères dans un étui. Donc on n'est pas au même niveau. Alors c'est certain que dans ce partage des tâches, Olivier de Serres assigne à la femme toute la charge physique et mentale de la cuisine. Mais elle doit s'investir aussi dans deux autres domaines qui sont quand même assez cruciaux à cette époque. Le premier domaine, celui de l'approvisionnement. Mais là, je ne suis pas sûre qu'elle ait le monopole. Il faut se souvenir que dans la cuisine d'Ancien Régime, les deux ingrédients principaux, c'est le bois, c'est la seule source d'énergie, et c'est l'eau. Hein. Cuisine à l'eau, c'est assez général. Et pour les corvées de bois et d'eau, ça peut être assez partagé. Mais en tout cas, Olivier de Serres donne cette injonction formelle en ce qui concerne tous les produits secs, les produits de garde. La bonne ménagère doit prévoir d'acheter à l'avance la morue, les épices, les câpres, et puis de faire les confitures. Et il nous donne toutes sortes de recettes de confiture, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de conserve, soit au sel, soit au sucre. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est la bonne ménagère qui fait les confitures, mais celui qui écrit les recettes, c'est le ménager. Et là, on retrouve la posture tout à fait classique, enfin, quand je dis classique, pour la France, hein, ça se passe pas du tout pareil en Angleterre, où beaucoup de femmes prennent la plume. Une posture classique où la femme est au fourneau et c'est l'homme qui écrit le livre. Et ça, c'est pas neuf. Le ménager de Paris, au cœur du Moyen-Âge, c'est pareil. C'est l'homme qui dicte à la femme comment faire la cuisine. Et puis, je crois aussi que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va plus loin dans les recettes
ce bon ménager, il nous donne aussi des recettes de pharmacopée domestique. Et là, c'est intéressant parce qu'il fait intrusion dans un domaine qui, jusque-là, était un domaine réservé aux femmes, c'est-à-dire la fabrique des alicaments, disons, et des remèdes maison. La bonne ménagère devra savoir faire la confiture de coin. Bon, la confiture de coin, tout le monde sait que la pâte de coin, ça a deux fins, comme on disait à l'époque. Ça procure un plaisir gustatif et en même temps, ça soigne certains troubles digestifs. Elle doit savoir faire la confiture de coin, elle doit savoir faire aussi le baume du samaritain pour soigner toutes les contusions de la maisonnée. Donc, elle est en charge de ce secteur qu'on appellerait aujourd'hui le Caire, hein, et qui est très, très connecté à la cuisine à ce moment-là. Hein. Mais à cette époque, le secteur du Caire, c'est aussi le secteur qu'on appelle des secrets. C'est dévolu aux femmes, mais c'est uniquement par transmission orale. Et là, ce qui se passe, je dirais qu'il y a une sorte de masculinisation, comment dire, insidieuse de cette sphère, puisque l'homme va dévoiler ses secrets par le truchement de l'imprimerie, il les rend publics. Voilà, alors, voilà pour le stéréotype. La question, c'est est-ce que ça colle à la réalité? Je dirais oui et non, même si je ne suis pas normande, tu le sais. Bon. Oui, parce que, par exemple, et on est dans la même ère géographique et culturelle, hein, des Cévennes, mais un peu plus au sud. 1750, les mœurs des Cévennes. L'auteur nous dit « Ah, si une Parisienne venait chez nous, quelle surprise pour elle !» Et il dit, elle verrait les dames dans les maisons où il y a 3 ou 4 000 livres de rente faire la cuisine, se lever avant le point du jour, comme Pascal ce matin, allumer le feu, préparer le dîner des ouvriers, envoyer les domestiques au travail, car dans ce pays, les domestiques ne servent pas le maître ou la maîtresse, mais servent au champ. Et comme ils ont travaillé tout le jour, en un travail forcé, il est juste qu'ils trouvent en revenant leur souper prêt, et ce souper est apprêté par la dame du logis. Alors, ensuite, il déroule bien sûr toutes les tâches journalières de cette femme, et en gros, on voit bien que ça correspond au portrait idéal de la bonne ménagère. Mais ce qui est intéressant dans ce témoignage, surtout, c'est en contrepoint la parisienne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles de cuisine. Et on voit bien ce jeu sur les domestiques. Une Parisienne, disons une citadine, hein, qui a, comme cette Cévenole, 4 ou 5 000 livres de rente, hein, elle ne sert pas les domestiques. Ce sont ces domestiques, hommes ou femmes, qui font la cuisine. Donc, voilà, je suis assez gênée quand il y a le singulier, la cuisine sous l'Ancien Régime. Je préférerais dire les cuisines. Et il y a de multiples cuisines. Je pense que tout à l'heure, Florent, non seulement, j'espère, ne me contredira pas, mais complétera tout ce que je vais dire. Mais bon, le restaurant n'existe pas, mais vous avez toute une cuisine de rue, avec la tripière qui, chaque matin, se poste au carrefour et elle attend l'ouvrier ou l'étudiant et dont le petit déjeuner favori, c'est justement un plat de tripes chaud et fumant qu'on prend comme ça sur le pouce. Et quel rapport entre cette cuisine de rue avec le cuisinier de grande maison? Lui, il n'est pas du tout dans l'espace public, il est dans un espace privé. Je crois que le lieu, la cuisine même en tant que lieu, c'est important à voir aussi dans l'analyse. Et il est dans un espace tout à fait privé et même très écarté. La cuisine de grande maison, c'est au fond de, relégué au fond d'une aile ou alors à l'entresol. Et c'est un monde d'hommes exclusivement réservé aux hommes. Et puis pour terminer, ben, il y a la cuisine domestique, familiale. Alors là, je terminerai par lui, à Olivier de Serres. Mais Olivier de Serres, il consacre plusieurs pages à cette question qui lui paraît fondamentale. Dans une maison idéale, où doit se situer la cuisine?
Est-ce qu'elle doit se situer au rez-de-chaussée? Est-ce qu'elle doit se situer à l'étage? Et son critère principal de choix, c'est l'œil du maître. La cuisine doit être un endroit d'où le ménager, l'homme, pourra surveiller le mieux toutes les entrées et venues de toutes les personnes qui entrent dans la cuisine. Et là, ça nous suggère un tout autre espace. Cette cuisine-là, elle, c'est un espace ouvert, complètement, aux femmes, aux hommes, aux animaux aussi. C'est un espace ambivalent. On sait très bien que la cuisine, c'est la pièce principale. On prépare la cuisine, mais on consomme aussi. Alors, est-ce que c'est un espace genré? Est-ce que c'est un espace masculin? Non, mais les hommes sont là. Ils sont là parce qu'ils aident à la préparation. Ils sont là parce qu'ils observent ce qui se fait. Ils sont là parce qu'ils mangent, ils dégustent, ils donnent leur avis. Et puis, est-ce que c'est un espace féminin? Bien sûr, c'est le domaine de la femme, mais enfin, si elle a un bistortier à la main, ce n'est pas pour taper sur son mari et le chasser de la cuisine. Hein. Pas du tout comme dans les cuisines professionnelles. Donc voilà, on a différents modèles et puis je pense que c'est la question qu'on devrait se poser. Enfin voilà, j'ai dit mes perplexités. J'ai du mal à faire entrer tous les exemples que je trouve dans ce système binaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Madeleine, justement, tu as vraiment bien introduit le sujet, que tu montres justement l'intérêt de l'histoire, c'est-à-dire en allant en profondeur comme ça, on se rend compte que parler simplement du stéréotype, c'est vraiment très très pauvre, et que il y a beaucoup de modèles, et que bien sûr le stéréotype dominant est peut-être celui qu'on connaît, mais il faut quand même prêter attention à d'autres manières de voir et de penser. Florent, que penses-tu de cette idée des cuisines, par exemple, et du stéréotype qui est finalement remis plus ou moins en cause par Madeleine, même si on sait qu'il a quand même sa validité? Oui, effectivement, il faut parler des cuisines et il faut aussi raisonner en aire culturelle. Parce que les deux citations que vous donnez, en fait, elles ne sont pas paradoxales, elles renvoient à deux aires culturelles très différentes. La première citation, on est sur l'aire culturelle italienne et sur le modèle d'un discours gastronomique qui sera italo-français, qui va se construire entre la fin de la Renaissance et le 18e, et qui va dévaloriser les femmes, alors que Lanceau de Castaux n'est pas dans le modèle culturel français, mais renvoie à l'aire d'influence habsbourgeoise. Puisque là, on est dans les Pays-Bas espagnols. Et si on prend, par exemple, la cour d'Espagne, il y a des cuisinières pour l'aristocratie. On a notamment des cocineras, des regalos, pour les reines d'Espagne. Alors, on pourrait traduire par des cuisinières de plaisir, qui sont des cuisinières qui sont au service de la reine d'Espagne et qui sont là pour faire des platos, des regalos, c'est-à-dire des plats de plaisir pour répondre à une envie gourmande de la reine. Ça n'existe pas du côté français. Et donc là, on voit avec Lanceau de Castaux qu'on est bien dans ces terres d'influence habsbourgeoise. Et le stéréotype genré, il est à prendre en compte, à mon avis, dans le cadre de la construction de ce discours gastronomique, qui est un des éléments essentiels de l'époque moderne. En gros, le discours gastronomique va être construit en Occident entre l'œuvre de Platine, donc qui est de l'Honnête Volupté, qui est le premier ouvrage qui invente cette littérature gastronomique sérieuse, comment on peut parler sérieusement de la gastronomie. Donc le livre, le manuscrit, va être imprimé pour la première fois vers 470. Et ensuite, on a un processus d'intellectualisation de part et d'autre des Alpes qui va se terminer par les deux œuvres maîtresses du discours gastronomique français, à savoir Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin. Et cette période de trois siècles est essentielle parce qu'elle repose sur l'idée qu'on doit hisser la cuisine au rang des beaux-arts. Et à partir du moment où on pose la question des beaux-arts, on bascule du côté du masculin avec l'idée que l'acte créateur ne peut être que masculin, que la femme ne peut que reproduire une recette à la perfection, mais pas créer une recette. C'est l'homme qui est créateur dans la culture occidentale. Alors il y a évidemment un jeu avec Dieu créateur, hein, évidemment. Et c'est un élément, on peut faire l'analogie avec la peinture d'ailleurs. Les femmes peintres à l'époque moderne, on les retrouve plutôt du côté de la nature morte.
où on va reproduire à l'identique les fruits, les légumes, etc. Mais la grande peinture, la peinture d'histoire, la peinture religieuse, ça, c'est un domaine masculin. Et c'est un élément qui est important pour bien comprendre ce stéréotype. Alors après, il y a d'autres éléments à prendre en compte hein, pour comprendre également la construction de ce stéréotype. Vous avez également, mais plutôt 18e, mais qui s'inscrit quand même dans le même processus, le développement de ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise. La cuisine bourgeoise, les premiers grands titres de la cuisine bourgeoise, c'est 18e. On peut penser évidemment au grand succès de la littérature culinaire française, La cuisinière bourgeoise de Menon, publiée en 1746, qui va être vraiment le très très gros succès de la littérature culinaire pour le domaine francophone, puisqu'on a quand même 90 000 exemplaires entre 1746 et 1800, ce qui est énorme. Et ce livre-là donc, propose une cuisine dite bourgeoise, c'est-à-dire simple et moins coûteuse. Et donc, si elle est simple et moins coûteuse, on bascule du côté des femmes. Et au 18e, on voit dans les petites annonces passées dans la presse dite d'affiches à la fin de la dernière décennie de l'Ancien Régime, une multiplication de femmes qui se proposent pour faire de la cuisine bourgeoise. Et on voit bien qu'il y a cette idée d'une rupture entre la grande cuisine, la cuisine des hôtels aristocratiques, et cette cuisine bourgeoise. Je parlais donc des livres avec la cuisine bourgeoise. La cuisine bourgeoise, elle est rédigée par un homme. En tout cas, on pense que Menon est un homme. On ne sait pas qui est Menon, en fait, mais on suppose que c'est un homme. Et ce qui est remarquable, c'est que du côté italo-français, tous les livres de cuisine publiés, signés ou en tout cas attribués à un auteur à l'époque moderne renvoient à un homme. On n'a pas de livre imprimé avant la Révolution française qui soit attribué à une femme. Le premier livre de cuisine français attribué à une femme, c'est La cuisinière républicaine, qui est publié en l'an 3, en 1795, à une dénommée Madame Mérigaud. Alors, on ne sait pas si Madame Mérigaud a existé, hein, mais c'est une femme. Et c'est un livre uniquement sur les pommes de terre, ce qui n'est pas innocent non plus. Donc, il y a quand même tout ce discours-là qui est à prendre en compte, alors que si on va sur d'autres aires culturelles en Europe, par exemple du côté anglais ou du côté allemand, là on a des livres écrits par des femmes. Le premier livre imprimé, signé par une femme, c'est un livre allemand, en 1597, d'Anne Wäckerin, qu'on n'aura pas du côté français, et c'est pas innocent, parce que l'écrit ça anoblit. Dans ce processus d'anoblissement, on voit que du côté italo-français, il y a cette exclusion. Or, le discours qui va être hégémonique après, c'est ce discours-là, et donc qui va dévaloriser la femme. Si je prends d'autres exemples qui montrent bien comment ça se construit à l'époque moderne, on peut prendre aussi la question du sucre. Le sucre, c'est un élément qui a déjà été évoqué hier, où assez souvent on associe le féminin au sucre, à un goût pour le sucre. On s'aperçoit que ce discours genré s'installe quand même au 18e. 16e, 17e, on voit que le sucre, c'est encore quand même quelque chose d'un peu rare et bien partagé. Et au 18e, on bascule vraiment du côté de la galanterie, du jeu de la séduction et du sucre qui serait plutôt féminin, ou associé aux enfants ou aux vieillards. Et derrière, ça renvoie à l'idée qu'il y aurait en fait des êtres faibles. Et dans les êtres faibles, donc on a les enfants, les femmes, les vieillards, et de l'autre côté, l'homme qui, lui, aurait des compétences gastronomiques et aurait les compétences pour apprécier la bonne chair. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout un raisonnement physiologique, mais selon les théories de l'époque, évidemment, qui survalorise l'homme en tant qu'image de Dieu sur Terre et donc en tant qu'être parfait, et une femme qui est en dessous de l'homme et qu'on retrouverait dans des goûts inné pour la femme, qui ne nécessite pas un apprentissage, alors que dès qu'on bascule du côté de l'apprentissage pour des saveurs plus compliquées, comme l'acide, la mer, etc., là, on serait du côté du masculin parce qu'il y a l'idée d'apprentissage. Et donc, l'apprentissage renvoie du côté du masculin. Et donc, ces différentes raisons font qu'il y a cette opposition. Et quand on a les restaurants qui vont être, qui apparaissent hein, au sens actuel de grands restaurants à la fin du règne de Louis XV, continue Louis XVI, puis Révolution et ainsi de suite, à Paris, ces premiers restaurants vont imiter le cérémonial de cour. Or, le roi de France est servi par des hommes.
Donc, dans les grands restaurants, il faut bien que ce soit des hommes en salle et en cuisine. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, mais quand elles sont en cuisine, elles sont totalement invisibilisées. Et c'est pour ça que la première citation illustre parfaitement le statut des femmes dans les cuisines aristocratiques françaises, où elles sont présentes, en fait. Mais elles ont ces tâches partagées avec les enfants de cuisine, les marmitons, donc épluchage des légumes, plumage des volailles, etc. Et elles ne sont pas mises en avant, sauf si on bascule du côté de la cuisine bourgeoise. Et donc, le stéréotype est opérant pour l'époque moderne. C'est pour ça que c'est très important de savoir de quelle cuisine on parle et de quel milieu social. Oui. Cet affichage est essentiel pour bien comprendre ce stéréotype. Oui. De quelle ère culturelle ? Parce que ça, on oublie toujours. Mais c'est vrai qu'au milieu du XVIe siècle, il y a cette Sabina Welserine, cette Allemande, là, qui publie un carnet de recettes. Bon, cet après-midi, il va y avoir une autre table ronde sur les ouvrages et les traités culinaires. Donc là, on a un petit peu empiété sur le sujet, mais bon, c'est quand même très, très important de parler à la fois de l'écrit et de la pratique, parce qu'il y a cet aller-retour, et effectivement, là aussi, se joue un jeu entre les hommes et les femmes, et il est très important d'en parler. Mais ce que tu nous as bien montré, c'est que là, il y a une affaire de représentation qui est vraiment... Qui nous tombe dessus, et c'est pour ça qu'on a des mythes et des stéréotypes. C'est parce que les représentations sont très, très fortes et personne n'y échappe. Donc, je vais donner la parole à Pascal, et qui va poursuivre, je pense, dans cette piste, ou ailleurs, d'ailleurs. En poursuivant, je sais pas si ça marche. Ça, il faut que tu... Tu vois, là, il y a un petit truc. Il y a toujours un petit truc. Voilà, la culture, c'est d'abord une affaire de technique, hein, je le rappelle. merci Françoise, et je profite de l'occasion pour dire que c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, ne serait-ce que pour cette simple raison, on retrouve des collègues de bonne compagnie qu'on a toujours plaisir à rencontrer à cette occasion, qu'on ne rencontrerait peut-être pas, en tous les cas, Madeleine, Florent, Françoise, ensemble. Effectivement, je voudrais aussi les remercier d'avoir dit une bonne partie de ce que je voulais dire en introduction, parce que c'est la loi du genre. Et en revanche, j'aimerais partir du titre de notre table ronde. On a déjà évoqué les stéréotypes, peut-être moins les mythes, et peut-être que je terminerai sur le sous-titre, hein, comment les déconstruire, point d'interrogation, et y compris sur sa dimension problématique pour moi. Je rappelle, bon, je pense que je n'apprends rien à personne, comme on dit poliment, mais le mythe, par son étymologie grecque, c'est un récit, c'est un effet de narration. C'est quand même très important, un mythe. Bon, je donnerai un exemple de mythe tout à fait clair, les mères lyonnaises. Donc on nous raconte une histoire, on vous dit, il était une fois une ville qui s'appelle Lyon avec des femmes qui s'appellent les mères lyonnaises. Donc vous avez un récit, mais qui est toujours signifiant, c'est-à-dire que on ne se contente pas d'être un conteur, il y a une morale au bout. Donc le mythe, c'est absolument essentiel. Alors ne partez pas du principe que le mythe, c'est la mystification et qu'on passe son chemin. Non, nous vivons en permanence, nous en ce moment, ce matin et depuis notre naissance, dans les mythes, sans lesquels nous ne serions rien. Que ce soit bien précisé. Je suis prêt à en discuter, comme sans doute mes collègues, après. Donc le mythe, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est quelque chose de fonctionnel dans n'importe quelle société humaine. Et bien entendu, les récits que raconte la société à son intention, à son adresse, sont extraordinairement, en effet, signifiants au second degré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement signifiants au sein du groupe, le groupe tient grâce au mythe, mais ils sont signifiants et significatifs pour, par exemple, les chercheurs, qui en font évidemment plus ou moins bon usage, mais en tous les cas, qui adorent se plonger là-dedans. On l'a aussi remarqué... On a parlé d'une période dite moderne que je vais continuer à suivre jusqu'à une période dite contemporaine. On ne va pas gloser beaucoup là-dessus, d'autant plus qu'il y a des cultures nationales sur la définition du moderne et du contemporain. La définition française est presque minoritaire. Bref, j'ai à titre personnel travaillé, Françoise l'a rappelé, sur une période que j'ouvrais plutôt avec le XVIIIe siècle. Tout ce qu'on vient de dire le confirme. Mais surtout pour notre problématique genrée, alors, puisque...
Nous nous connaissons depuis plusieurs années, chers collègues. Vous savez que je me battais depuis déjà un certain temps. Enfin, quand je dis je me battais, c'est pour ce thème. Bon, finalement, il arrive, c'est parfait. Mais alors, ce qui est évident, c'est que la rupture du XVIIIe siècle final, bon, on va simplifier, qui n'est pas simplement liée à la France, hein, il se passe des choses essentielles aux États-Unis. Bon, et puis la Révolution française, c'est en fait l'Europe qui est ébranlée par cette révolution. Et quand je dis ébranlée, ce n'est pas non plus un jugement de valeur, qui se met en branle. Bon. Donc, ce moment-là a clairement plus encore binarisé que on pouvait le penser, la situation, dont on voit qu'elle était plus complexe, plus floue parfois. Et qu'en particulier, l'invention du restaurant, qui est quand même, on ne va pas gloser trop là-dessus, chaque année, on parle de l'invention du restaurant ici, c'est évident. Et c'est normal, mais c'est significatif que ça revienne sans arrêt. Je pense que ça, effectivement, exagérait cette répartition binaire entre... Alors, c'est une formule que j'ai souvent utilisée, et j'entends bien d'ailleurs ce que Madeleine a dit sur, par exemple, les cuisinières de rue, etc., et puis les allusions aux grandes maisons, c'est-à-dire le fait que, pour moi, c'est pas par hasard si ce siècle des révolutions, ce siècle des Lumières, puis des révolutions... un chercheur allemand assez célèbre a dit que c'était le moment où on définissait un espace public. Les deux termes que j'utilise pour essayer de faire comprendre ce que je veux dire, mais avec toutes les nuances qu'en particulier Madeleine a précisé, aussi Florent après, c'est cuisine publique, cuisine privée. Je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais ça permet de comprendre où on en est. L'espace public, qui est quand même complètement reconfiguré par, disons, le siècle des Lumières, la Révolution, à placer les hommes au cœur de cet espace public. Si vous lisez Mona Ouzouf, vous voyez que, bon, on pourrait conclure que s'il y a bien une période qui n'est pas vraiment féministe, c'est la Révolution française, par exemple. Alors, on peut discuter indéfiniment la cuisinière république. Enfin, pour simplifier, le féminisme n'a pas progressé sous la Révolution française. Et, j'allais dire, il a presque régressé avec la création, l'invention du restaurant. Puisque alors là, c'est clair, il n'y a pas de femme à la tête des restaurants. Et on voit très bien la logique du restaurant. On a prononcé, je crois que c'était Madeleine, la notion de bonne maison, de grande maison, et reprise par Florent. Moi, je définissais le restaurant auprès de mes étudiants comme, en effet, une révolution dans la mesure où on vous offre le décor d'une grande maison, le service d'une grande maison, la cuisine d'une grande maison, la cave d'une grande maison, une suspension, en échange de quoi ? Et c'est ça la différence avec l'ancien régime par rapport au nouveau régime, non pas en échange d'invitations au sein des élites, pour ne pas dire de quartiers de noblesse, en échange d'argent. Donc je viens de définir le monde contemporain. Donc le restaurant, c'est une métonymie de la révolution moderne. Hein ? Bon. Donc on voit bien les enjeux, mais on voit aussi qu'à ce moment-là, la lecture genrée est... violente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes dans le système des restaurants à l'origine. Et on ne va pas gloser sur le fait que les cuisines modernes, j'ai eu l'occasion d'éditer scientifiquement les souvenirs culinaires d'Escoffier, les cuisines modernes, ou contemporaines pour éviter les ambiguïtés avec les périodes précédentes, contemporaines, sont peuplées de personnages qui s'appellent un chef, qui est à la tête d'une brigade et qui prépare le coup de feu. Bon. Il est évident qu'on est dans une virilité un peu militaire, qui a été déjà souvent glosée, je ne suis pas original en le disant. Et en face de ça, les femmes sont effectivement assignées à la cuisine privée, y compris de façon valorisante, parce que je suis bien d'accord avec tout ce qu'on a dit sur le fait que c'est toujours plus complexe. En particulier, vous avez ce fameux mythe, alors je répète, le mythe, ce n'est pas une mystification, ça nous fait vivre. À savoir, moi, cuisinier mâle, je dois tout à ma mère, ma grand-mère, ma tante. C'est le récit. Bon, Escoffier, c'est sa grand-mère. Ducasse dit des choses de cet ordre-là. Évidemment, mais j'y reviendrai, Bocuse avec la mère Brasier. Donc, dans un système qui est non seulement dominé, mais qui est même exclusivement masculin, enfin, on va simplifier, jusqu'au 20e siècle bien avancé, le mâle doit tout ou doit beaucoup à une femme. Donc ce système fonctionne et s'auto-reproduit à condition qu'on en tienne compte. Et c'est là que je pense qu'il faut confirmer, donc j'insisterai pas là-dessus,
le fait qu'il s'agit effectivement d'un système gastronomique, c'est-à-dire qu'on parle des cuisines, mais on parle aussi de la littérature gastronomique. Et en effet, du triptyque qui est mis en place, en effet, à peu près au moment de la Révolution française et en France. Alors effectivement, moi je parle, Françoise sera, vous serez très éloquente sur en particulier le monde asiatique. Moi je parle, comme mes deux prédécesseurs, plutôt de l'Occident, et je dirais même de la France, non pas par francocentrisme, mais parce que dans ce nouveau système gastronomique, la France occupe d'emblée une position dominante, hégémonique, qui ne sera remise en cause qu'assez tard dans le XXe siècle. Donc mes exemples continueront à être pris dans le cadre français, pas simplement parce que je serai aveugle sur ce qui se passe en Europe du Nord, en Europe centrale, en Europe du Sud, etc. Et dans ce cadre-là, il est évident que le système s'auto-reproduit assez facilement sous les yeux du critique héritier de Grimaud de la Reynière et du doctrinaire et héritier de Brillat-Savarin, mais d'abord sous les yeux du chef qui s'auto-reproduit dans un système qui est un système d'ancien régime prolongé jusqu'à une période très récente et peut-être encore parmi nous. D'où la nécessité d'interroger les exceptions que seraient... alors là, je pense que mes collègues ont travaillé là-dessus beaucoup plus que moi, sauf que je rencontre cette figure, évidemment, incessamment, qui est la notion d'auberge. C'est-à-dire que si on n'est pas au restaurant, si on est à l'auberge... Là, Anne-Sophie Pic, il se trouve que... Alors, je suis obligé de le dire, ça paraît forfanterie, mais... puisqu'on a cité l'Académie française, pour l'épée de l'académicien, on constitue un comité d'honneur. Alors moi j'ai dit, dans le comité d'honneur, pour la première fois dans l'histoire de l'Académie, je veux un cuisinier, une cuisinière. Et ça a été Anne-Sophie Pic. Bon. C'est la première fois depuis 1635 ou depuis le 1795, effectivement, qu'on imaginait de mettre un cuisinier, une cuisinière dans un comité d'honneur de l'Académie. Donc, effectivement... Vous avez le lieu de l'auberge. Vous prenez la généalogie des Pics, que Anne-Sophie cultive, et elle a bien raison. Bon, vous avez Anne-Sophie, qui est l'arrière-petite-fille de Sophie. Et Sophie tient à Saint-Péret, et donc Saint-Péret, c'est intéressant, bon, je ne l'oserai pas sur la localisation, tient une auberge. Auberge du pain, avec des chasseurs qui lui fournissent le gibier, etc. C'est son fils qui sera le fondateur officiel de la dynastie Pic, donc c'est André Pic, qui lui va évidemment avoir l'idée géniale de quitter l'Ardèche protestante, évidemment, ça c'est capital pour comprendre les Pics, et s'installer le long de la Nationale 7. Bon, et ils y sont toujours. Et puis après, vous avez Jacques Pic, et enfin, vous avez Anne-Sophie, qui n'arrête pas de se référer maintenant à son arrière-grand-mère. Hein. Ça, on voit très bien que l'espace de l'auberge, bon, permet. Et puis vous avez l'autre espace, c'est le mythe des mères. Alors précisons tout de suite que les mères lyonnaises ne sont pas que des mères lyonnaises, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les mères de la vallée de Roya, par exemple, et puis toutes ces mères Poulard et autres, ou ces Mélanie de Rieck-sur-Belon. Je pense que, puisque Mélanie de Rieck-sur-Belon est très associée à la personnalité d'un écrivain gastronomique qui s'appelle Kurnonsky, et la génération Kurnonsky, hein, parce que sous le nom de Kurnonsky, il y a souvent d'autres scribes, a beaucoup valorisé cette figure de la mère. Hein. Ça s'expliquerait pour diverses raisons, mais en même temps a enfermé dans une réserve, hein, pour Indiens, les mères lyonnaises. Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Parce qu'on voit très clairement que ces mères sont, pour moi, entièrement en dépendance de la bourgeoisie lyonnaise. Lyonnaise ou de Roya, mais principalement lyonnaise. Et c'est important que ce soit Lyon, c'est important que ce soit le Lyon de la Troisième République, pas d'avant, que ça se construise définitivement dans l'entre-deux-guerres avec un guide Michelin quand il invente les étoiles, parce qu'il n'a pas inventé tout de suite, on attribue trois quand même à deux mères, mais en même temps, bien entendu, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Et on voit très bien, le record ce serait la mère Filloux, que ces cuisinières sont des cuisinières qui ont été au service de la bourgeoisie locale et qui ouvrent avec souvent l'argent de leurs anciens maîtres, qui ouvrent des restaurants affichant cette maternité. Mais on voit très bien le fonctionnement. Effectivement, la cuisine bourgeoise, ça permet de produire des cuisinières bourgeoises. Pensez à Françoise chez Marcel Proust, puisqu'on parle beaucoup de Marcel Proust cette année, et qui éventuellement s'installe à son compte. Donc la mère lyonnaise, ce qui est frappant, c'est qu'elle est plutôt attachée à un monde qui commence à être en déclin,
qui n'est plus le monde aristocratique, mais qui est le monde d'une certaine bourgeoisie. D'ailleurs, vous ne comprenez rien au Sartatin si vous ne savez pas que la Sologne était devenue une annexe de Paris. Et que si on parle de la Sologne à un certain moment dans cette histoire, et pas simplement pour les Sartatins, c'est que la Sologne, c'est le 16e arrondissement prolongé, au moment où on parle des Sartatins. Finalement, le phénomène des maires, on pourra y revenir, s'atrophie assez vite. Et c'est dans les années 60 que la dernière maire, Paul Castin, obtient une étoile. À peu près au moment où Bocuse, qui n'arrête pas de se réclamer de la maire Brasier, prend le pouvoir et arrive au pouvoir, la nouvelle cuisine. Et la cuisine moléculaire ne va pas se féminiser plus que ça. Vous avez des hirondelles qui ne feront pas le printemps, comme Olympe. C'est intéressant, le phénomène Olympe, ça durait pratiquement pas plus d'une dizaine d'années. Une étoile, 10 ans plus tard, elle ferme. Et moi, je sais que j'ai été contemporain, comme sans doute mes collègues, de phénomène, je me suis dit, ça commence à bouger. Ça ne bougeait pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je vais m'acheminer vers la fin de cette petite intervention pour l'instant, en disant que ça commence à bouger, me semble-t-il, à la fin du XXe siècle. Et évidemment, ça bouge de façon accélérée. Vous aurez peut-être remarqué, parce que je crois que c'est une date, 2011, la création par le fameux World's Best, de la World's Best Female Chef. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un palmarès, et c'est très intéressant de voir qui actuellement figure parmi ce palmarès des meilleurs chefs de ZFE. Car quand j'ai demandé à Anne-Sophie comment elle voulait être inscrite pour l'Académie française, elle a dit chef de ZFE, bien sûr, étoilé. Donc, vous avez à l'heure actuelle un certain nombre de noms de référence mondiale. La France a joué un rôle, effectivement, avec ses héritières. Dans un premier temps, ce sont des héritières. Hélène Darroze et Anne-Sophie Pic occupent la place de frères défaillants. Dans les deux cas, c'est très intéressant. Le frère défaillant radical, c'est le frère d'Anne-Sophie, parce que ce n'était pas elle qui devait succéder. Et l'autre frère a décidé d'aller voir ailleurs. Bon, mais enfin, il est défaillant pour Hélène Darroze. Et il était défaillant. C'est quand même très intéressant parce que pour s'imposer avec aujourd'hui 10 étoiles pour Anne-Sophie, à peu près autant pour Hélène Darroze, sur le plan international, il a fallu quand même, à ce moment-là, on est dans les années 90, c'est 95-97, il a fallu qu'il y ait un frère défaillant. Mais maintenant, c'est bien parti. Et peut-être que dans la discussion, je sais qu'il y a une table ronde là-dessus, mais j'insiste beaucoup là-dessus, quand j'écris sur cette thématique, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ça a bougé plus vite dans le domaine du vin. Ça a bougé plus vite que dans les cuisines de référence de la haute cuisine, dans le domaine du vin. C'est là que la passation de pouvoir, qui devient maintenant la règle entre un père vigneron et une fille vigneronne, c'est là que l'émergence des femmes œnologues mais difficilement des femmes sommelières, parce que Pascaline Lepelletier, je crois qu'elle s'y a pris à 4 fois avant de devenir la première femme meilleure sommelière du monde. Mais ça y est. Donc le 21e siècle est vraiment le lieu de cette reconfiguration, d'où comment les déconstruire. On les déconstruit nous en tant que chercheurs, mais comment est-ce que la société a déconstruit ça? Et je pense que, dernier point, je ne pense pas que ce soit lié à une évolution technologique, parce que vous savez que le grand argument pour exclure les femmes, c'était de dire, mais c'est trop, vous ne pourrez pas, vous allez être trop fatigant, c'est trop lourd, etc. Alors bien entendu, ça a bougé. Et visiter les cuisines d'Anne-Sophie Pic, c'est impressionnant. Vraiment, une cuisine, je ne connais pas les cuisines d'Hélène Darroze, mais ça doit un peu ressembler à ça. Mais là, c'est complètement japonisant, c'est 80% féminin, c'est blanc, c'est chuchoté. c'est vraiment très très différent de l'image des cuisines d'avant. D'accord, ça a pu compter, mais on a changé la technologie parce que les esprits ont changé, et non pas en sens inverse. Enfin, moi, je crois que c'est le béaba de l'histoire culturelle. C'est pas la technologie, c'est la société a décidé qu'il fallait bouger la technologie parce que la féminisation était en cours, et entre autres parce que la clientèle était de plus en plus féminine. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de cercle que je qualifierais de vertueux, mais à la limite, peu importe, qui fait qu'aujourd'hui, les conditions sont non seulement réunies, mais ont déjà produit. Faut-il dire la parité? Vraisemblablement pas. Il y a des différences entre pays. La France est loin d'être en tête, là aussi, par comparaison. Mais je pense que la révolution, ce n'était pas celle de 1789, j'allais dire celle des années 1990, et que celle-là a eu lieu. Merci, Pascal. Alors,
Ce que tu viens de dire, effectivement, est très, très optimiste quand même, et très réjouissant, mais justement, je me demande, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un retour en arrière ? Bah, là, ce sont des sujets très, très, très lourds. Je pense que mes collègues sont plus compétents que moi pour y répondre. Mais primo, bien entendu, si on considère l'ensemble de la planète, c'est loin d'être un mouvement aussi si net. Et sur le plan des cuisines comme sur les autres plans, hein, inutile de vous faire un dessin, vous considérez les points sur lesquels la condition féminine est, disons, opprimée ou bousculée, etc., vous avez quand même une géopolitique qui n'est pas favorable à 100%, loin de là. Est-ce que ça pourrait revenir en arrière ? Donc, je ne suis pas évidemment prophète. Il me semble quand même que la féminisation de la clientèle, il y a la dialectique entre les cuisines de restaurants, donc cuisine publique, et la demande d'une clientèle. Je pense que sur ce plan-là, on devrait plutôt assister à une accélération. C'est un petit peu comme l'écologisation, au moins des discours, hein, ouais, qui fait que vous ne pouvez plus, aujourd'hui, ne pas proposer sur votre carte des vins nature, des choses comme ça. Bon, parce que économiquement parlant, vous payerez cette grave erreur. Donc, quelles que soient les raisons profondes, à mon avis, ça va dans ce sens-là. C'est quand même, sans doute, du côté de la clientèle que ça s'est passé. Et puis, les médias, en Occident, en général, ont valorisé, effectivement, cette rareté qu'était une femme chef. Voilà tout ce que je peux dire. On peut imaginer des involutions. J'en vois pas tellement, pour l'instant, le début. En revanche, il y a des domaines, je pense que la France est loin d'être la plus avancée, hein, mais des domaines géographiques, alors enfin, au-delà de la France, où il y a encore certainement de grands progrès à faire. Oui, je maintiens, alors optimisme, pessimisme, je maintiens l'hypothèse que la déconstruction qui vient de la société, hein, qui ne vient pas de quelques intellectuels, quelques chercheurs, ça n'existe pas ça, mais qui vient de la société, peut se poursuivre, tout ce que je peux dire. Oui, non, excuse-moi de te poser cette question. Effectivement, ce n'est pas une question qu'on pose à un historien de prévoir l'avenir. Oui. Je sais bien, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de demander ça souvent aux historiens. Ils voient oui, si bien sûr. Les choses vont se poursuivre ou pas. C'était une faiblesse de ma part. Ah ben non. je voulais demander à Madeleine et à Florent si elles avaient d'autres compléments à apporter ou d'autres réactions au discours de Pascal. Madeleine. Pascal nous a très bien montré les facteurs de cette virilisation de la haute cuisine. Pour ce qui est de l'Ancien Régime, je crois que cette virilisation, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'organisation militaire. Bon, vous avez dit que c'est un truisme, la brigade, le coup de feu, etc. pour les cuisines privées. Mais pour la cuisine publique, parce que l'Ancien Régime peut-être n'a pas encore nettement distingué la sphère privée, la sphère publique, comme vous l'avez défini à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais la notion de cuisinier public et cuisinier privé est nettement délimitée à partir du Moyen Âge, le livre des métiers de Boileau. D'un côté, vous avez les maîtres ouaillers, c'est-à-dire les rôtisseurs qui vendent des volailles, surtout des oies rôties, hein, qui sont les cuisiniers publics, disons, deviendront les traiteurs rôtisseurs qui ont pignon sur rue. De l'autre côté, dans les grandes maisons, vous avez les cuisiniers privés, les queues qui deviendront les cuisiniers des grandes maisons. Mais ces cuisiniers publics, traiteurs, rôtisseurs, ils sont strictement encadrés par le système de ce qu'on appelle les corporations, les corps de métier. Avec cette virilisation, c'est-à-dire qu'on contrôle leur art, leur expertise, grâce à tout ce système d'apprentissage, passage de chef-d'œuvre, on devient maître ensuite et tout. Et le monde des corporations, sous l'Ancien Régime, est un monde exclusivement masculin. Donc, il y a non seulement
cet aspect, comment dire, la théorisation de l'artiste, et l'artiste ne peut être qu'un homme, mais il y a aussi cette organisation institutionnelle de la corporation. Et quand on retrouve des femmes dans une cuisine qui plaît, c'est en dehors de ce système de corporation. Je pense que les auberges, enfin... J'ai pas bien réfléchi à la question, Florent me dira s'il est d'accord. Les auberges sont en dehors du système de la corporation, parce que les métiers jurés, on les trouve surtout dans les villes. Les auberges, c'est plutôt les banlieues ou les carrefours sur les grandes routes. Et de même, ces cuisinières ambulantes dont on parlait tout à l'heure, elles sont aussi, ça fait partie de cette cuisine informelle, en dehors des métiers. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que quand la Révolution abolit par la loi Le Chapelier le système des corporations, ce sont des cuisiniers de grandes maisons qui en profitent pour rendre leur tablier et fonder le restaurant. Et on se demande pourquoi les cuisinières des maisons bourgeoises, elles ont attendu tellement longtemps comme les mères lyonnaises pour rendre aussi leur tablier et se lancer dans l'entreprise. Vous avez dit que la Révolution, ce n'était pas une époque favorable aux femmes, mais vu comme ça, je me dis, elle aurait pu l'être. Oui. Alors, justement, là, tu pointes quelque chose de capital. On l'a déjà beaucoup évoqué hier, mais c'est toute la question de la professionnalisation d'une activité humaine. Et effectivement, alors ça, Jack Goody l'avait très bien montré en comparant l'Afrique et l'Eurasie. Dans les sociétés qu'il appelait hiératiques, comme l'Afrique, où il n'y avait pas vraiment d'organisation sociale, une institutionnalisation et une administration, etc., avec des couches sociales bien déterminées, l'exercice de la cuisine restait limité à la famille ou à l'artisanat proche, enfin le petit commerce, tandis que dans les sociétés hiérarchiques, comme par exemple la Chine et l'Europe, là, il y avait une profession qui se créait, et évidemment, c'était le fait d'hommes et non pas de femmes. Alors, Florent, tu as sûrement des choses à ajouter sur cette idée de professionnalisation, l'importance de la professionnalisation. Tu l'as évoqué déjà, mais peut-être que tu as encore des choses à dire, j'en suis sûre. Avant, je préférerais revenir sur la notion de virilisation du cuisinier. Oui, ça va dans le même sens. Et de la cuisinière, oui. Parce que si on prend par exemple la peinture flamande 16e, 17e, la manière de représenter les cuisinières, on joue sur la musculature, les bras qui sont bien visibles et des femmes qui sont en train d'embrocher des volailles, qui est un élément très présent dans la peinture flamande qu'on n'a pas du côté français. Et ça, si on compare la manière dont on représente les cuisinières dans la peinture du Nord et dans la peinture française, on n'est pas du tout sur la même façon d'évoquer ce qu'est la femme en cuisine. Du côté de l'Europe du Nord, on va retrouver la manière dont on a photo... Bon, on va retrouver. Ça annonce un peu la manière dont on va photographier la mère brasier, où on a souvent des cadrages où ce sont les bras qui sont mis en avant, qui est vraiment une référence à cette peinture-là. Et donc à une approche de la cuisinière virile, c'est-à-dire que la virilisation peut être féminine aussi. Alors que du côté français, c'est plutôt une jeune cuisinière qui va être abusée dans l'arrière-cuisine, qui fait tomber des œufs, donc perte de la virginité, etc., ou qui est en train de déplucher des légumes. Mais on n'a pas cet acte d'embrocher vraiment la volaille. Et je pense que ce n'est pas innocent. C'est bien deux visions très différentes de la cuisinière. Et j'aimerais aussi revenir sur le vin. Sophie, tu veux réagir tout de suite? Oui, à propos de cette représentation des femmes, plutôt dans l'Europe du Sud, en cuisine, on dit souvent que là, il y a un petit aspect grivois. Oui. Et que, bon, elles sont là aussi parce qu'elles ont des corsages, on voit leurs attributs, et bon, que peut-être ce qu'elles font en cuisine réellement, vis-à-vis des préparations, compte moins que le côté plaisant qu'elles apportent à la cuisine. Alors, je ne sais pas, j'ai lu ça. Mais quand je vois ces représentations, je suis assez convaincue par cette interprétation. Le mythe de riz amer, enfin. Oui, oui. Bon.
mais qu'on retrouve également dans la peinture du Nord. Hein. Ça, la dimension grivoise ou érotique, quand on lit les travaux des historiens de l'art, ils en sont convaincus des deux côtés. Hein. Mais ce n'est pas le même physique qui est représenté. Oui, les femmes du Nord et les femmes du Sud. Oui. Et l'autre élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la question du vin, parce qu'on ne l'a pas abordé pour l'époque moderne, ça a été abordé pour l'époque contemporaine. Et si on prend l'époque moderne, les femmes sont exclues du monde du vin. Le gourmet, pour l'époque moderne, c'est la personne qui va tester de la qualité du vin, c'est l'expert en vin, le gourmet, c'est un terme ultra positif, un terme de gourmet, ça renvoie vraiment au monde des hommes. Et il y a l'idée que la femme aurait une inaptitude congénitale à apprécier le vin. Et derrière, il y a aussi l'idée que la femme honnête ne boit pas de vin, où il y a cette idée que la tempérance est gardienne de la vertu féminine. Donc je pense que c'est un élément qui joue. Et il y a un autre élément aussi, il y a une idée qui est très ancienne, hein, qu'on a déjà pour le monde romain, que par ses menstrues, la femme ferait tourner trouble. Le vin. Elle trouble. Et ça, c'est un élément qu'on a chez Pline dans l'histoire naturelle, dans le livre 7 de l'histoire naturelle, premier siècle de notre ère, et qu'on va retrouver à l'époque moderne, l'idée que la femme ferait tourner le vin, donc elle n'a pas à rentrer dans une cave, donc elle ne peut pas non plus élever du vin. L'idée que la femme ferait également tourner les salaisons. Et dans le cadre français, l'idée que la femme qui a ses menstrues serait incapable de monter une mayonnaise. Et tout ça, en fait, renvoie à la même idée qu'avait été travaillée par l'anthropologue Alain Tétard dans, je ne sais pas si on prononce le S, Tétard dans La cuisinière Testard. Et l'Amazone, ou l'Amazone et la cuisinière, je ne sais plus dans quel ordre exactement, où il explique que, alors pour lui, ce serait une sorte d'interdit sociétal qui reposerait sur l'impossibilité de cumuler deux sangs, le sang des femmes et le sang de la vigne pour le vin. En plus, il y a une dimension christique. Et il fait alors, c'est son interprétation pour essayer de comprendre pourquoi. Oui, oui. Et il y a l'idée aussi d'une analogie entre le vin et le sel pour comprendre les salaisons. Et donc, le sang et le sel, quand on renverse du vin, on dit qu'il faut mettre du sel dessus pour éviter que ça tache la nappe, etc. Mmh. Et donc, lui, il l'expliquerait comme ça. Alors, après, on est d'accord ou pas avec cette explication. Mais en tout cas, c'est un élément qui est à prendre aussi en compte sur le statut de la femme en cuisine dans cette société occidentale, avec évidemment ce discours des hommes sur le corps de la femme, qui, à mon avis, est un élément essentiel à prendre en compte pour comprendre ce stéréotype. En n'oublions pas qu'on travaille essentiellement en histoire sur un récit masculin. Oui, oui, non, tu as tout à fait raison, mais je pense d'ailleurs que c'est peut-être assez universel. J'ai, dans des textes chinois anciens, j'ai rencontré ça, c'est-à-dire que la femme trouble. Elle vient à certains moments de son existence. Elle n'est pas favorable à l'élaboration des conserves qui sont fondées sur des fermentations. Elle fermente, donc c'est tu ne peux pas mettre ensemble deux fermentations différentes. Tu vois, c'est une explication très à la fois déterministe et matérialiste, mais je pense que dans un certain type de raisonnement, ça s'explique. C'est pour ça que ça s'applique à la fois à la femme du vigneron, mais aussi à la femme du boulanger et aussi à la femme du brasseur. Dans tous les cas, il y a une fermentation. C'était très intéressant, là, comme tout ce que tu dis, mais là, j'ai écouté, c'est ce terme de gourmet, cette profession réservée aux hommes, parce que justement, en travaillant cette notion ménager, ménagère, cuisinier, cuisinière, mais il n'y a jamais le même plan, je me disais, mais gourmet, quel est le féminin? Alors, on peut la trouver. La gourmette, c'est autre chose. Alors, à l'époque moderne, on féminise tout. Hein, 16e, 17e, c'est au 18e qu'on commence à masculiniser. Donc, gourmette existe, mais c'est péjoratif. Quand on utilise le terme de gourmette pour qualifier une femme, c'est qu'elle a un petit penchant à la boisson. C'est pas qu'elle est capable. Eh ben mais voilà. Comme souvent, le friand, c'est quelqu'un qui apprécie la bonne chair. La friande, c'est une femme qui connaît un dérèglement du ventre. Il y a toujours cette connotation sexuelle dans le vocabulaire à l'époque moderne quand on évoque le goût des femmes pour la cuisine. On a un très bel exemple avec Madame de Sablé.
au XVIIe, donc qui fait partie de l'aristocratie, elle est dans le cercle de Madame de Sévigné, et qui d'un seul coup se passionne pour la cuisine. Et donc elle fait des petites recettes, puisqu'il y a une mode effectivement au XVIIe, XVIIIe pour pratiquer soi-même sa cuisine. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils font réellement, en fait, hein, parce qu'il faut se méfier un petit peu de ces discours-là où, en réalité, très souvent, ils supervisent ou elles supervisent des femmes qui travaillent réellement en cuisine. Hein. Pour les confitures, c'est à peu près la même chose quand même. C'est, je sais comment on les fait, mais ce n'est pas moi qui les fais. Ce sont mes domestiques, mais je suis capable de donner les ordres. Et donc, elle-même, Sablé, visiblement, ferait elle-même des recettes. Et Taillement des Réaux, dans les historiettes, donc là, on est au milieu du XVIIe, dit « Depuis qu'elle est dévote, c'est la plus grande friande du monde. » Donc, il sous-entend que c'est une fausse dévote. Et friande, c'est simplement pour montrer que elle a un goût très prononcé pour la bagatelle. C'est ça qui est souligné derrière. Et on n'aurait pas l'équivalent pour un homme. Pour celles et ceux qui s'intéressent à cette dévalorisation par la féminisation des mots, il y a un texte extraordinaire qui a fait l'objet d'un enregistrement. C'est le rap de Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, l'artiste, qui a énuméré tous les cas de féminisation dévalorisante. Et il y a une musique scandée derrière, et on a l'impression que Louise Bourgeois, qui est une dame d'un certain âge au moment où elle enregistre, qui est une artiste plasticienne, elle devient une sorte de rappeuse. Je vous signale, le rap de Louise Bourgeois. Merci. Merci à vous trois. Je pense que nous sommes arrivés au moment de laisser la parole à la salle, et donc nous attendons vos questions. N'hésitez pas. Vous avez matière. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors moi, je suis Sénia Fedoul, doctorante en histoire contemporaine, spécialiste de la vigne et du vin. Voilà. Alors en fait, voilà, c'est juste pour vous dire, en fait, c'est pour juste rajouter des précisions sur vos propos, monsieur Horry, par rapport au sommelier, parce que ma thèse de doctorat, qui est en train de se terminer, est sur l'œnologue et la sommellerie. Voilà. Donc, je suis un peu plus spécialiste sur le sujet. Pascal Lepelletier, c'est la troisième femme qui a gagné un concours de sommelier. L'histoire a bien voulu en oublier deux, parce que, si vous voulez, ça va dans l'histoire en même temps de la renaissance de la sommellerie dans les années 60-70 dans un contexte de gastronomisation. Et en même temps, c'est un contexte de mise en place des appellations d'origine contrôlée. Les sommeliers, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étaient en déprise, parce que justement, le monde des palaces était en crise économique. Elle était aussi en concurrence, le sommelier était aussi en concurrence, notamment avec le maître d'hôtel, parce que justement, les palaces avaient besoin de faire des économies sur son personnel. Donc, si vous voulez, il y avait des concours qui ont été créés à la fin des années 50, pas par l'association des sommeliers qui était aussi en déprise parce qu'ils ont fusionné avec la mutualité hôtelière. Et en fait, si vous voulez, les premiers concours de sommeliers ont commencé à partir de 59-60. La première femme, les associations de sommeliers sont créées en 1969, la première c'était notamment celle de Lyon, donc ça a fait le lien avec les maires brasiers notamment, et Bocuse aussi. Et si vous voulez, ils ont formé l'association de Lyon à vraiment essayer de faire une remise en place de formation de sommeliers. Et là, la première femme sommelière, parce qu'en fait, il y avait trois catégories, meilleur sommelier, meilleur maître d'hôtel sommelier et la troisième catégorie, restaurateur sommelier. Et c'est là ces deux femmes, en fait, dans les années 70, de Lyonnaises, qui ont remporté le maître restaurateur sommelier. Donc l'histoire, je ne sais pas pourquoi, a voulu les oublier, parce que est-ce que c'est moins noble justement la position de maître restaurateur sommelier parce qu'elle était femme d'un chef toc lyonnaise. C'est une question que moi je me pose et je n'ai toujours pas la réponse. Mais voilà, je voulais juste remettre un peu dans le contexte que voilà, il y avait ces deux femmes oubliées de l'histoire en fait, dans le système. Après, pour ce qui concerne les œnologues en soi, le titre date de 1955. Et il y avait des femmes œnologues, les premières femmes œnologues que j'ai rencontrées, c'était les premières diplômées en 1961-1962. Et justement, ce que j'ai dit hier dans la table ronde, elles ont, pour rentrer dans les caves, ça a été une certaine difficulté. Soit parce que justement, il y avait la raison, t'es une femme, tu vas avoir tes règles, donc tu rentres pas dans ma cave. Mais il y a aussi un autre phénomène sociologique, c'est que l'épouse
de monsieur ne voulait pas que son époux vigneron soit enfermé dans une cave avec une autre dame. Donc c'est aussi il y a aussi cet autre paramètre à la prendre en considération. Et ma collègue Chloé Lebrun hier m'a aussi informé que les hommes aiment bien aussi rester enfermés entre eux dans une cave, parce que aussi il y a tout ce qu'il y a à faire, toute affaire financière se joue aussi dans la cave. Il y a aussi ce paramètre social. Et le côté aussi reprise de la terre de la fille, là c'est une histoire qu'il faudrait faire qui n'existe pas malheureusement. C'est l'héritage de la fille sur le foncier. Parce qu'on sait très bien qu'après la Première Guerre mondiale, le vignoble français a été maintenu par des femmes. Et pendant la période de l'entre-deux-guerres, ce sont surtout des veuves qui ont tenu le système. Donc il y a un truc, en histoire, il y a quelque chose à faire, je pense, pour ces femmes qui ont maintenu ce qui est paradoxal, dans un système où les gourmets, les gastronomes sont que des hommes. On montre que des hommes à la Revue du Vin de France, mais alors qu'il y avait des femmes qui étaient propriétaires terriennes, veuves, et qui faisaient marcher la boutique. Voilà, c'est juste pour compléter. Je vous remercie, mais je me permettrai de venir vous voir pour qu'on échange des adresses. Etc. Je vous lirai avec intérêt, bien que je ne fasse pas un objet de recherche systématique en ce moment, mais franchement, et ce que vous dites sur les deux premières sommelières oubliées, ça correspond un peu à Olympe, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça vibre, alors il faudrait savoir pourquoi, puis ça retombe. Là, en ce moment, on a l'impression que ça ne peut plus retomber. Mais merci, oui, c'est tout à fait passionnant. Quant aux veuves, bon, tout le monde a à l'esprit la veuve Cliquot, hein, Barbe Ponsardin, mais évidemment, c'est une veuve. C'est-à-dire que l'un des modes d'entrée, ça vaut pour toutes les professions, c'est de se retrouver veuve. Ah, voilà. Mais évidemment... Une fois de plus, l'hirondelle n'annonce pas le printemps parce que, bon, la veuve Cliquot, c'est une exception qui confirme la règle au XIXe siècle. Oui, c'est tout à fait passionnant. Une autre question ? Oui. Bonjour, je suis journaliste, je suis également doctorante en sciences de l'information sur la problématique des chefs au XXe siècle. Par rapport à ce que disait Monsieur Horry, en effet, si je puis me permettre, il y a eu un phénomène dans les années 70, qui a été un peu oublié, qui a été la création de l'association des restauratrices cuisinières. Donc on est avant Olympe, hein, et on est après la mère Brasier, donc on est vraiment au cœur des années 70, où on a au centre une polémique médiatique, c'est ça qui pose question, puisqu'on constate, en regardant les échanges dans les journaux, Paul Bocuse interdit symboliquement, c'est assez fascinant d'ailleurs, le symbole de la toque, qu'il interdit, il dit les femmes n'ont pas à porter la toque. Elles ont mieux en porte-jartel qu'en toque. On a plusieurs interviews à ce sujet qui sont assez drôles à lire aujourd'hui. Et face à ça, une bande de chefs, donc il y en a une bonne quinzaine hein, sur la photo, porte fièrement une toque, défiant Paul Bocuse. D'ailleurs, l'article s'appelle dans Paris Match La révolte des cuisinières contre les toques phallocrates. Et suite à cet épisode, elle crée une association, l'association des restauratrices cuisinières, qui va perdurer, bon an, mal an, quand même, une vingtaine d'années. Et ce qui est fascinant, c'est que Bocuse dit ce sont des cuisinières de tradition et non d'innovation. Donc il y a tout un enjeu qui se joue entre les femmes représentent-elles la tradition ou représentent-elles l'innovation. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les années 70, ça va vraiment être... les journalistes plutôt étiquetés à droite qui vont vraiment soutenir ce courant-là, je pense notamment à Courtine, qui va les opposer à la nouvelle cuisine, alors qu'actuellement on a un total renversement des valeurs, on observe plutôt la revendication notamment du terme chef, qu'on a vu se développer au féminin dans une certaine presse, et puis qu'on voit repris maintenant de façon beaucoup plus générale, avec bonheur d'ailleurs, qui inverse les valeurs et qui est un signe de modernité culinaire, de revendiquer les chefs. On a eu un renversement de l'image médiatique, en fait. Un détail, que Courtine soit de ce côté-là, ça confirme là aussi la petite thèse que j'avais défendue, enfin c'est une découverte quand j'écrivais le livre il y a très longtemps sur le discours gastronomique, c'est que Gault et Millau, ce sont des hussards. C'est-à-dire Christian Millau était un critique littéraire. Et juste après la sortie de mon livre, il a sorti un livre, pas du tout de recettes de cuisine, mais sur Jacques Laurent, etc. Donc on voit très bien comment dans les années 50, une valorisation de la femme, ça peut être un discours d'extrême droite. Voilà. C'est ça qui est intéressant, parce que ce serait trop simple sinon.
Moi, je me pose des questions sur cette notion de créativité, enfin, d'une cuisine créative qui serait forcément masculine, parce que la créativité du grand cuisinier, elle existe, mais elle se déploie dans des conditions matérielles favorables où il peut acheter ce qu'il veut, se procurer tous les ingrédients. Mais il y a une autre créativité, c'est la créativité de la cuisinière de tous les jours, et je pense surtout à l'Ancien Régime. Quand elle est en situation de pénurie, elle doit se débrouiller avec ce qu'elle a. Et donc, c'est aussi de la créativité que de faire avec le manque. Et regardez quelqu'un comme Escoffier, enfin, vous le savez mieux que moi, Pascal, autant que je sache, il a commencé sa carrière, il s'est fait connaître pendant la guerre de 70 en servant l'état-major. Il a été bien obligé de faire avec le maigre approvisionnement qu'il avait. Donc, il y a aussi une créativité qui peut surgir de la pénurie, de la contrainte. On est d'accord sur le fond, mais comme c'est une affaire de représentation, ça ne perce pas. Parce que, pour simplifier, la France n'a peut-être pas inventé grand-chose, mais à mon avis, elle a inventé le cuisinier artiste. Et Carême, c'est absolument tout. Vous savez qu'une partie de l'œuvre de Carême, ça consiste à proposer au tsar et à, je crois, à Charles X des réaménagements urbanistiques et sculpturaux à Saint-Pétersbourg et à Paris. Donc, Carême dit clairement, moi qui suis un pâtissier, en fait, je suis un sculpteur et un architecte. Bon, ça, évidemment, ça assoit un prestige artistique dont on a des traces chez Grimaud de la Reynière ou Brillat-Savarin. Et là, effectivement, la femme va être renvoyée à l'artisanat et l'homme sera du côté de l'art. Et tout est comme ça. Alors, ça vaut pour la cuisine. Vous imaginez bien que ça vaut pour la peinture, etc. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que tout ça, ce n'est pas isolé. Hein, c'est... Mmh. Alors, y a, une fois qu'on a dit ça, bien entendu, il peut y avoir des évolutions plus rapides dans certains secteurs que dans d'autres. Hein. Mais le parallèle avec les beaux-arts est évident. Aujourd'hui, on découvre le statut de Rosa Bonheur, qui était loin d'être une oubliée, mais enfin qui était vraiment classée dans un genre de peinture particulier. Vous avez actuellement une grande exposition Rosa Bonheur. Bon, voilà, sur ce plan-là, les archives s'ouvrent en quelque sorte. Par rapport à l'invisibilisation que vous signalez sur les beaux-arts, est-ce qu'on peut observer, on a observé quand même la même chose sur les compétences des femmes en cuisine professionnelle? Alors, c'est la même thématique qui se développe actuellement en recherche. Après, ce que vous signalez tout à l'heure sur les mères lyonnaises, il y avait une différence fondamentale, c'est qu'elles ne pouvaient pas se mettre à leur compte toutes seules, vu qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. On avait aussi tout un système d'entrepreneuriat qui n'était pas accessible aux femmes jusque dans les années, au milieu des années 50 quand même. Donc il y a eu plusieurs... elles devaient être forcément adossées à un homme systématiquement. Tout à fait. C'est vrai que... il fallait la signature du mari pour ouvrir un compte en banque, il n'y a pas si longtemps encore. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question par là, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, je suis éditrice et je voudrais apporter quelque chose sur ce que vous disiez, en fait, sur le livre de cuisine, en fait, qui permet un peu d'analyser les types de cuisine qu'il y a, si c'est bourgeois... pour le peuple ou pour la bourgeoisie. Et j'ai en fait l'impression que c'est toujours actuellement le cas, pas pour les classes sociales, mais plus entre hommes et femmes, où maintenant, quand on regarde l'offre éditoriale de cuisine, on a des livres de cuisine de tous les jours qui sont quasiment pas genrés, en fait, pour être ouverts à tous. On va avoir des livres de pâtisserie ou des livres, en fait, sur les régimes ou le contrôle du sucre, qui vont être très marketés vers les femmes, avec des couvertures pas forcément roses, mais un esprit un peu plus féminin, on va dire. Et à l'inverse, on va avoir, en fait, des livres sur le vin, sur la bière ou sur le barbecue, qui, là, vont miser à fond sur le noir et le rouge et le viril pour, en fait, être vendus à des hommes. Donc j'ai l'impression que, même si ça évolue doucement, le marché, en fait, fait que toujours actuellement on sépare un peu les types de cuisine avec les livres, et voilà, c'était tout. Merci. Je pense que cet après-midi ces questions vont être développées lors de la table ronde sur les écrits culinaires, effectivement. D'autant que moi il me semble que me souvenir que dans cette fameuse collection où les chefs ont tous fait un livre, du coup je me souviens plus, avec le B,
C'était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire qu'on aille chercher des chefs assez connus, même très connus déjà, et qu'ils fassent un livre de leur cuisine. C'était, bon, ça a été présenté comme une nouveauté, mais enfin bon, j'ai jamais travaillé là-dessus, donc je ne voudrais pas en dire plus. Vous voyez qu'il y a des objets de recherche pour celles et ceux qui sont oui. en statut de jeune chercheur. Il y a matière. Absolument. Il reste encore 10 minutes possibles pour vos questions. Encore, vous ? En fait, c'est parce que je travaille sur, pour mon mémoire, je travaille sur le genre dans les livres de cuisine jeunesse. Et du coup, j'ai un peu recherché le sujet. Et on a aussi une évolution, en fait, juste du côté de la littérature jeunesse pendant le XXe siècle. On part, en fait, des livres de cours pour l'éducation domestique des filles à l'école primaire, où on va avoir des histoires en fait, mettant en scène une petite fille qui apprend à faire le ménage, à faire la cuisine, avec tout un tas de recettes. Et lentement, en fait, on va évoluer d'abord pour sortir les livres de cuisine du cadre de l'école. Donc ça va s'adresser là aux gens qui ont un petit peu plus d'argent, ou qui ont les moyens d'avoir une cuisine juste à eux. Et, voilà. Ou ça va devenir un plaisir. Et lentement, en fait, on va ouvrir le champ aux garçons. Pas forcément tout de suite. Les premiers trucs que j'ai pu voir, en fait, c'est après-guerre, c'est années 50, où on a l'exemple d'un livre, en fait, américain, qui a été traduit en France. Et de base, c'était My First Cookbook for Boys and Girls, qui a été traduit pour comment jouer à la dinette. Donc, il a, en fait, qui a été complètement féminisé. Et où finalement, en fait, tout ce qui était un peu mixte, que ce soit au niveau des illustrations, où de base on avait un petit garçon et une petite fille qui cuisinaient, ben on se retrouve avec des illustrations où en fait, autour de la table, il y a des filles et des garçons, mais la personne qui sert ou la personne qui est en train de cuisiner, c'est toujours une fille. Voilà. C'est intéressant la transposition qu'a fait la traduction, comme vous le décrivez, c'est vraiment... Décidément, en France, c'est l'homme qui triomphe quand on parle de cuisine. Mes chers amis, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Je pense que nous pourrions discuter très longtemps, mais... Oui, bien sûr. Non, mais en ce qui concerne le phénomène des mères, je pense qu'il faut continuer à explorer. Du coup, j'avais découvert, à cette occasion, les mères auvergnates. Alors, on n'est pas loin de Lyon, mais c'est... Donc la vallée de Roya, etc. Donc je ne sais pas s'il y a ici des gens qui ont une expertise auvergnate, mais il faut peut-être continuer à travailler les maires de la vallée de Roya et quelques autres. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ce que je repère, c'est qu'il y a des élites qui viennent plutôt de la grande ville, voire de Paris, qui contribuent à la médiatisation de ces maires. Hein. Donc c'était le cas de Kurnonski. Mais pour simplifier, vous avez deux types d'élites. Vous avez des élites économiques, je crois que dans le cas de Lyon, c'est évident, hein. Voire politique, Édouard Herriot, etc. Et puis, dans le cas de Roya, ce sont des élites culturelles, dirait-on aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui sont en tournée. Hein, c'est très, très clair pour Roya. Des artistes en tournée qui descendent un soir, etc., et qui vont faire de la publicité jusqu'à Paris pour ces maires qu'ils ont rencontrés. C'est tout à fait intéressant de voir le cheminement, mais évidemment, il n'y a de bon bec que de Paris. Bon, Lyon est capable de dire, pas besoin de Paris, mais en revanche, pour le reste, il faut que ça remonte à Paris. C'est vraiment le cas des sœurs Tatin. Hein. Oui, je pense que s'il n'y a plus aucune réaction dans la salle, aucune question supplémentaire, nous allons peut-être nous arrêter là et remercier nos collègues de leurs interventions.